bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, premier mercredi des vacances. Alors, je vous prends pas maquillée, pas coiffée. Hein. Hier, j'avais pas fait de brushing, donc voilà l'état de mes cheveux. J'ai pas encore pris ma douche. Il est déjà 11h, je sais pas combien, 11h25. On doit partir dans une heure parce que Co m'a rendez-vous chez le dentiste à 12h50. Et je vous accueille dans un bordel monstrueux. La maison, c'est Beyrouth. Bref, c'est les vacances. Donc là, je suis en train de débarrasser la table du petit déjeuner parce que je viens de finir le montage de mon vlog de samedi que je vais vous mettre en ligne dans la foulée. Je ne vais pas attendre. Enfin, je ne vais pas le programmer pour demain. Il est prêt, je le mets en ligne, point barre. Et puis, comme ça, si je ne vlog que sur une journée aujourd'hui, ben, je pourrais vous mettre celui-là demain. On ne sait jamais. Hein. Je suis très objective, mais on verra bien. Du coup, là, je suis en train de débarrasser la table du petit-déj. Ensuite, je vais aller prendre ma douche hein, parce que je n'ai pas le choix. Et cet après-midi, j'aimerais bien qu'on aille avec les enfants marcher un petit peu parce que là, il fait très beau aujourd'hui. Enfin, en tout cas, pour l'instant, on a un ciel très bleu sans nuages. Assez surprenant, d'ailleurs. Il n'y a vraiment pas de nuages. Ouais, s'il fait beau comme ça cet après-midi, je pense qu'on ira faire un petit tour, on ira marcher un petit peu, ça va nous faire du bien. Et puis, moi, je vais continuer mon ménage parce que c'est une catastrophe. D'ailleurs, je vous ai pas montré, j'ai changé mon système de poubelle. Alors, il faut savoir que on est très axé sur le zéro déchet et que du coup, on a très peu de déchets en fait. Quand je vivais avec Eric, on avait une poubelle qui faisait 50 litres parce qu'on estimait qu'on était une famille nombreuse et que c'était nécessaire. Donc au début, on avait vraiment 50 litres d'ordures ménagères. Et puis, on a commencé à réduire ça puisqu'on a arrêté d'acheter du sopalin, on a arrêté d'acheter des mouchoirs, on a arrêté pas mal de choses. On a fait beaucoup plus attention à nos emballages. Et du coup, on avait réduit en fait notre poubelle à une poubelle 20 litres. Sauf que même la poubelle 20 litres, eh ben en fait, ça va pas parce que en fait, on a tellement peu de déchets que une poubelle 20 litres... Bah, elle va rester 3 semaines dans la cuisine en fait. Et le souci c'est qu'au bout d'un moment, ça fait des asticots les poubelles, vous pensez bien. Donc 20 litres c'était beaucoup trop. Du coup j'ai opté pour ce système là. J'ai acheté cette boîte dans laquelle je mets un sac poubelle, comme vous voyez, et un couvercle. Et nous avons ici les ordures de... ça fait déjà une semaine. Donc là on a, dans le peu que vous avez là, il y a une semaine de déchets. Donc... c'est très bien, je mets des tout petits sacs de 18 litres, je crois, à peine. Parce que j'ai pas trouvé... En fait, il y a des sacs de 10 litres. Le problème, c'est que pour que ça prenne la forme de la boîte et que le sac reste ouvert dans la boîte, pour que ce soit plus facile pour les enfants, qu'ils aient pas, à chaque fois qu'ils ouvrent la boîte, à ouvrir le sac, etc. Parce qu'ils veulent pas mettre les doigts dans la main. Voilà. Donc, du coup, j'ai opté pour ce système-là. Je prends les sacs chez Action. Ce sont des sacs violets qui sentent bon, là. Je sais pas si vous connaissez, mais je vous les recommande, en tout cas. Et puis, du coup, on a opté pour ce système-là, le petit bac qui fait 8 litres. Et franchement, là, ça fait déjà une semaine que qu'on l'a mis en place et qu'il est toujours pas plein. Donc, on va se fier à la taille du bac et pas à la taille du sac. Parce que, comme je le disais, le sac fait 18 litres et c'est trop. Pour nous, en tout cas. Donc, ça nous convient bien parce que, en fait, cet été, on a eu des asticots dans la poubelle tellement... forcément, il y avait tellement de mouches avec la chaleur que, comme les poubelles restent trop longtemps, et du coup, les mouches, elles font leurs affaires dedans et puis voilà, quoi. Donc, ça arrive une fois et on n'a pas envie que ça arrive deux fois. Donc, on trouve des solutions. Voilà. Du coup, pour vous tenir un petit peu au courant, de toute façon, je vais faire une vidéo hein, pour re-résumer tout ça. Mais je n'ai pas eu l'appartement d'Angers. Voilà, je le dis parce que j'en ai parlé sur Instagram et je sais que tout le monde n'est pas sur Instagram. L'appartement, en fait, il a été attribué le temps que moi j'aille le voir, que je réagisse. En fait, voilà, il est passé en commission et il a été attribué. Hein. J'étais évidemment pas la seule en attente pour avoir un T5. Donc, je me dis que c'est pas grave, c'est que c'était pas celui-là. Hein. Moi, je crois beaucoup au destin et je me dis que rien n'arrive par hasard. Donc... Bon, voilà. Bon, du coup, je vais aller prendre ma douche et puis je vous reprendrai dans l'après-midi.
Je pense. Et je pense qu'on va essayer de faire une vidéo vraiment, enfin un vlog vraiment sur la journée. Si je peux reprendre les vlogs quotidiens, j'aimerais bien. Maintenant, bon, je ne vous cache pas que niveau timing, c'est quand même assez compliqué à gérer. Donc, on verra comment ça se passe. Mais c'est vrai que j'aimerais bien. Mais là, tout de suite, c'est douche et maquillage. Bon, les amis, je vous reprends, on est le lendemain. On est jeudi. Je suis en train de faire mon café. Parce qu'il est, à mon avis, 10h moins le quart. Non, je pense pas. Si. Voilà. Il est 50. Il est 10h moins le quart et on se lève. Tout juste. Bah, on se lève, non. C'est quand même, je suis levée quand même. Hein. On a passé, je sais pas combien de temps dans la chambre des gars. Parce que ces messieurs avaient du mal à se lever. Ces messieurs. Ils ne sont d'ailleurs toujours pas levés. Hein. Ces messieurs ou ce monsieur? En sachant que depuis quelques temps, il y a une chambre là-haut qui mesure 17 mètres carrés, qui ne sert à rien. Voilà. Puisqu'en fait, les enfants ont décidé de redormir dans la même chambre, les garçons en tout cas. En fait, Côme, s'il a voulu changer de chambre, c'est parce qu'il voulait un lit à deux places. C'est vrai qu'on dort mieux dans un lit à deux places. Et du coup, maintenant qu'il a son lit à deux places, il ne voulait plus changer de chambre parce qu'il ne voulait pas perdre son lit à deux places. Mais là, il dort dans son lit avec Marceau, en fait. Et du coup, je ne sais pas trop comment on va organiser, mais je pense qu'en fait, on va les remettre tous les trois dans la même chambre. Mais je garde mon lit à deux places. Mais avec le lit à deux places. Et du coup, ils dormiront à deux dedans. Ah ouais, c'est comme ça. Donc, comment ? Bah, Elsa veut pas changer de chambre, alors je sais pas. Bah, parce que du coup, comme il va libérer sa chambre, mais moi j'ai ma chambre ici. Tu pourrais avoir une chambre avec une fenêtre, je comprends pas. Bah, en fait, Elsa, elle veut pas récupérer la chambre. Je trouve ça dingue. Et après, je me dis, oui, on pourrait effectivement, récupérer le salon et en faire un salon. Du coup, avec la télé, machin, ça serait plus grand. C'est vrai. Mais je sais pas. Elsa, elle préfère rester dans la chambre sans fenêtre. Parce qu'on vient de refaire les murs tout blancs et du coup, elle va pouvoir se faire une petite déco, machin. Bah ouais, et puis ça m'emmerde parce que du coup, on a mis du temps à la faire la chambre et puis je t'ai embêté pour rien du coup. Oh, bon, alors ça, je vais dire, je m'en fous. Mais c'est plus pour toi, une chambre avec une fenêtre, c'est quand même plus confortable que... Avec une vergeuse aussi. Ouais, en fait, elle aime pas la déco de la chambre et cette chambre-là, je ne la referai pas, la déco, parce qu'en fait, elle est en bon état et j'ai pas envie... et de me faire chier et de faire des frais. Donc effectivement, je ne referai pas la déco de cette chambre. Donc elle préfère rester dans la chambre sans fenêtre, qui a les murs blancs, plutôt que de reprendre une chambre avec une fenêtre qui a les murs couleur sable. Voilà. Donc, bon, ma foi, elle a fait son choix, c'est pas grave. J'ai pas fait mon choix. Il va falloir que tu te décides. Ah, parce oui. que du coup, si elle ne prend pas la chambre, évidemment, moi, je vais la prendre et on va récupérer... le coin de pièce qu'on a sur le côté là-bas, parce que il n'y a rien, hein, quand même. Donc après, je peux pas vous dire ce que je vais faire exactement. Je pense que dans le renfoncement là, je mettrai mon bureau et puis de l'autre côté là-bas, on fera le salon, juste canapé et table basse et télé. Donc ce matin, je vais avoir pas mal de ménage à faire, puisque hier, vous auriez été là. Je pense que vous auriez bondi. Hier matin, j'ai tout nettoyé. J'avais fait la cuisine, j'avais rangé le salon, passé l'aspirateur. Il restait plus que le balai-siffleur à passer. Et je suis partie, comme il fallait que je parte emmener Côme chez le dentiste. Du coup, j'ai pas passé le petit balai-siffleur avant de partir. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je le ferai cet après-midi. Sauf qu'en fait, il y a Anaïs qui m'a appelé pour me demander si je pouvais passer à son école, puisque je vais être en fait son modèle chignon pour son examen. Et donc, sa prof avait besoin de voir mes cheveux, c'est-à-dire la couleur, la texture, la longueur, etc. Donc, je suis allée avec Marceau à l'école d'Anaïs, du coup, pour montrer mes cheveux. Mais quand je suis revenue, tout ce que j'avais fait, à part dans la cuisine, tout ce que j'avais fait, on ne voyait plus rien. Les gars, ils étaient rentrés, sortis par la baie vitrée, donc avec les gravillons de la terrasse. Ils m'en ont foutu plein la maison, partout. Il y avait des papiers découpés partout. Je suis partie une heure, hein, à tout casser, enfin, peut-être une heure et quart, quoi.
Eh ben non, quand je suis rentrée, c'était Beyrouth. Donc là, aujourd'hui, tout le monde va participer. Mmh. Et tout le monde va m'aider à nettoyer parce que c'est pas normal. Bon, je vous reprends vite fait parce que je vais aller prendre ma douche, mais je voulais vous parler de mes cheveux. Vous en foutez peut-être. En fait, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas lissé mes cheveux hier. Et du coup, bah, je me retrouve avec des... comme ça, mais que devant. Vous remarquerez, hein, derrière, il n'y a rien. C'est que devant que ça fait ça. Alors après, je vais pas dire que c'est moche, pas du tout. C'est juste que, en fait, quand mes cheveux sont comme ça, je trouve qu'il y a trop d'épaisseur et j'ai l'impression de... Bon, là, en l'occurrence, c'est le cas, je suis pas coiffée. Mais hier, je m'étais coiffée et j'avais l'impression que c'était pas le cas, en fait. Donc, j'ai un peu de mal, en fait. Là, aujourd'hui, c'est mieux. Mais hier, c'était vraiment hyper épais. Et là, je vais les attacher parce que je m'en vais... prendre ma douche, mais ce que je voulais dire, c'est que hier j'ai été voir Anaïs à son école, du coup, pour que sa prof voit mes cheveux. Et en fait, comme je vais être son modèle chignon, il faut que mes cheveux soient au top, en fait, pour qu'elle puisse faire son chignon le plus facilement possible, et surtout que le rendu du chignon soit le plus beau possible. Ce qui fait que... Sa prof m'a gentiment demandé de me teindre les cheveux en roux. Donc pas maintenant, hein, bien sûr. Mais il est fort probable que quelques jours avant son examen, je subisse une coloration cuivrée. Donc on verra, mais c'est au programme. Et surtout, le truc qui me dégoûte le plus, c'est qu'elle m'a demandé d'arrêter le lissage. Elle est bien mignonne. Donc elle m'a dit, bah, le mieux ce serait quand même que vous arrêtiez de lisser vos cheveux parce que elle me dit ça les fragilise beaucoup et s'ils sont trop abîmés pour Anaïs, ça sera pas top le jour du chignon. Je me dis ok, donc bon, je me dis quelque part c'est un peu dans l'intérêt de mes cheveux aussi. Donc bah, en fait je vais devoir m'habituer à cette coupe de mort avec mes cheveux comme ça, là, les coupes hollywoodiennes. Mais bon, ça m'a un petit peu mis les nerfs hier, je m'y suis un peu habituée aujourd'hui, mais à part que ouais, je m'habitue à cette tête, ce qui n'est pas gagné pour moi. Donc là, je vais aller prendre ma douche, et puis bah, après, on va voir le fil de la journée avec les enfants. J'avoue que je ne sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui. Il fait beau encore aujourd'hui, ça donne envie de sortir. Hier, on est allé marcher avec Laura hier soir, on a fait une super balade, c'était très sympa. Tout le monde est venu, enfin tout le monde sauf Elsa, bien sûr, est venu et c'était bien sympa. Donc, il est probable qu'on puisse y retourner ce soir. La semaine prochaine, Laura, elle est en congé, donc j'espère qu'on va pouvoir se voir un peu plus et puis passer du temps ensemble. Et puis, voilà. Pour les nouvelles. Cet après-midi, j'avais promis à Marceau qu'on ferait de la pâtisserie. Alors, je pense qu'on va s'y prendre de bonne heure pour faire... je pense qu'on va faire un moelleux au chocolat ou un truc du genre. Je sais pas trop, mais je pense que ça va être ça. Bon, je vous reprends de ma cuisine. Il est 13h25 et bon, je suis en train de manger pendant que l'eau n'est pas cuite puisque j'adore ça. Tellement bien rangé que quand on ouvre la porte, ça tombe. En fait, avant de partir, j'avais... Avant de partir, j'avais demandé à Elsa de préparer le repas, puisque c'était juste des pâtes carbo, donc c'était pas compliqué. Elle n'a pas pu, elle était sur son téléphone. Donc, bah, du coup, je m'en occupe. Donc là, je profite, j'ai mis l'eau à chauffer, mais du coup, j'en profite pour ranger en même temps. Je ramasse, je mets la vaisselle dans la vaisselle, etc. Et puis, après, on va manger, et du coup, dans l'après-midi, on va essayer d'aller se promener un petit peu, parce qu'il fait beau, là, vraiment. Je sais pas, non, vous voyez pas par la fenêtre, mais franchement, on a un ciel sans nuages. Non, pas de focus. Si, focus. Vous avez vu? C'est trop beau, quoi. Donc, du coup, on va essayer d'en profiter. Et puis là, du coup, le rendez-vous chez le dentiste, pour comme c'est très bien passé, comme à une dentition parfaite, ma foi, ça me va bien. Juste, il a en fait une malformation dentaire. En fait, c'est qu'il a que 3 incisives en bas. Donc, elle me dit, ah ben alors ça, c'est atypique. D'accord. Et en fait, elle a regardé sur la dernière radio qu'elle lui avait fait, et effectivement, il avait bien que 3 incisives en bas. Donc, il a bien les 4 en haut, mais en bas, il en a que 3. Et en fait, je sais pourquoi, parce que la 4e incisive à droite, je cherche à droite ma gauche, en fait, elle avait une racine, mais elle avait 2 têtes, en fait. Et donc, je pense que c'est pour ça, quand elle est tombée, puisque c'était une dent de lait, ben, il n'y en a qu'une qui est repoussée.
Donc, du coup, il n'a que 3 incis. C'est pas très grave, hein. Mais bon, ça, moi, ça me fait rire. Voilà. Et du coup, bah ouais. Là, ça va être mode rangement jusqu'au repas. Et puis après, on ira probablement se promener. Bon, les amis, c'est la cata. Je vous reprends, nous sommes vendredi, donc avec une tête de mort. Là, je vous reprends, on est vendredi, il est 18h42 et en fait, je n'avais pas vlogué hier, c'est sûr, mercredi, je sais plus, parce que en fait, j'avais un problème avec mon ordinateur, iMovie ne voulait plus fonctionner. Et du coup, je savais pas si j'allais pouvoir monter ce vlog, donc en fait, je ne l'avais pas poursuivi en pensant ne pas pouvoir le mettre en ligne. Sauf que finalement ça refonctionne, donc du coup je clôture ce vlog et je vais le mettre en ligne. Bref, du coup bah là on est vendredi soir, demain j'ai mon abonnée Sandra qui vient me visiter. Je suis trop contente, on s'est rencontrés il y a un peu plus d'un an. Je crois que c'était l'été dernier. Il me semble que c'était l'été dernier où elle était venue, ou peut-être l'été d'avant, je me souviens plus, mais... Là, on est en 2021. L'été dernier, c'était 2000. Ouais, c'était peut-être bien en 2019. Je me souviens plus. Mais en tout cas, ça fait peut-être bien 2 ans déjà qu'on s'était rencontrés. Et puis, on a vraiment accroché. Enfin, j'ai adoré cet après-midi qu'on a passé ensemble. J'ai une facilité à discuter avec elle. C'est vraiment... elle fait partie hein, des abonnés avec lesquels je discute le plus. Et puis, elle a une... Elle a un état d'esprit qui me séduit, en fait, par sa positivité. Je trouve ça génial. Donc, je ne sais pas si demain, elle souhaitera qu'on vlogue ensemble. Mais si c'est le cas, je serais ravie de vous la présenter dans mon vlog de demain. On verra. Moi, j'impose rien du tout, mais si elle le souhaite, ce sera avec grand plaisir. Donc, pour ce soir, ce sera tout. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin surtout. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'était pas fait, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve dans un nouveau vlog, du coup dès demain. Voilà, ciao ciao.